Re tout le monde, c'est parti, on continue. On est au labo. Toujours à la recherche des lucioles. Donc, on va fouiller le secteur. Petite étagère, 25 boulons. Je prends. Ici, on a un établi. On fera ça plus tard. Quelques médocs. Un scalpel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une bombe. En tout cas, c'est bien silencieux. Comment ils vont faire? Faire quoi? Pour prendre le remède. Ça va faire mal? Non, non. Ils vont juste prendre un peu de sang. C'est rien. On m'a déjà fait des piqûres. Ils nous ont vaccinés à l'école. C'était l'horreur. Bah, je pense pas que tu vas aimer ce qu'ils vont te faire, alors. Bingo! Ah, ici il y a du matos. Un nouvel outil. Outil niveau 4. Un manuel taché de sang. Chapitre 8, rayon accru des bombes incendiaires. Une utilisation correcte d'un engin incendiaire assure une meilleure dispersion. Donc en gros, il faut la lancer en mode circulaire. Les rayons d'explosion sont désormais 2 fois plus grands. Ok. Ça je prends. Le lance-flamme, il est plein. Merci pour les médocs. Allez, on retourne à l'établi. Je crois qu'on a tout fouillé. Eh oh! Les lucioles! C'est le remède de l'humanité! Y'a quelqu'un? On ferait mieux de rester discret tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mmh.
Allez, c'est parti. It's time. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'arc d'abord en priorité. Important pour la suite. Vitesse de tir, plus 45% en vitesse de bandage. Ensuite, la portée. Ah, il nous manque encore un outil level 5. Ok. Ensuite, fusil de chasse. Puissance, plus 50% de dégâts. Ça fonctionne bien. Capacité du chargeur plus 1. Ouais. Et va pour le shorty. Vitesse de rechargement. Nickel. Ça tiendra. Tout à fait, Joël. Je pense qu'on est bon. Bah dis donc. Eh, t'es pressé, on dirait. Ok. Eh, je te suis, Ellie, t'inquiète. Rien d'intéressant. Y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Ok, alors ici on a rien. Vas-y, Ellie. Ouvre la marche. Ok, y a pas grand chose. Aucun cadavre. C'est bon signe, non? Il faut qu'on trouve où ils sont allés. Ok. Ça je prends. Je prends aussi. Les infectés ont tué deux autres de nos gardes. Ils vont encore tenir une putain de réunion au sujet de la sécurité du labo. Tout notre équipement est ici. Toutes nos données. Tout le personnel s'est habitué à vivre ici. Bon, je vais faire d'autres tests. Sinon, cette incompétence va me rendre complètement fou. Ok. À mon avis, c'était le... Docteur Con. De San Francisco, si je me souviens bien.
Ok, alors, voyons voir. On va faire un sur un. Il manque encore 10 en médoc. Absolument rien. Intéressant. Ok, apparemment elle s'amuse. Des petits boulons. Ok, les médocs, je prends. Quelques munitions. Bon. Merde. Sûrement des claqueurs, tu crois? Les claqueurs ne se cachent pas. Il y a un mec derrière, tu vas me dire. Bon, en tout cas, je suis prêt, moi. Un petit shorty dans ta face. Aurélie, ouvre la marche. De quoi par ici? Radio de développement fongique dans le cerveau d'un patient. Ouais, c'est pas cool. Let's go. Des lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Plein de cages. Et ça me rappelle 28 jours plus tard, un très bon film, je vous le conseille. Et voilà, 4.
palettes de matériel sont emballées et prêtes à partir. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va faire de vous, les gars. Ils veulent qu'on euthanasie le groupe infecté. Mais vous savez quoi? Qu'ils aillent au diable. C'est vous qui avez fait le plus gros sacrifice dans tout ça. Si quelqu'un mérite de retrouver la liberté, c'est... Hé hey, tout doux. Ah, merde. Oh non. Il m'a mordu. Oh, c'est pas vrai. Oh. Bon bah, il était vraiment con. Heureusement qu'on n'a pas eu affaire aux singes. Il dit pas où ils sont allés. Je sais, cherchons encore. Alors, un petit pendentif. Sadie Pearl Hickman. Qu'est-ce que t'as, Ellie? Ok. Ça c'est bon. Si vous cherchez les Lucioles, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. D'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Ouais, je connais la ville. C'est loin? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi? Les Lucioles? Baisse-toi! Oh putain, okay. Mais c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Moi j'ai mon petit shorty. Et il vient comme as lui. On va prendre la petite hache. Ok, ils sont plusieurs. Chopons-les ! Tu vas rien choper du tout. Allez, Ellie. Je ne fais que passer. On va prendre le lance-flamme. Guérison rapide.
Ok. Au calme, je suis avec la lumière. Ah, et où le dernier ? J'ai l'impression qu'il est loin. Il a rien lui. Oh, salut toi. Ça donne quoi? Rien du tout. Ils sont sérieux? Et cadeau. Plein de munitions ici. Ça, je prends. On va essayer de le prendre à revers. Et on va essayer de le cramer. Efficace. Je sais pas s'il y a une grosse portée. Allez, au revoir. Oh merde.
Allez. Il va falloir que tu me tires. Ok. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. Tire. Monte sur ce putain de cheval. Là, j'avoue, il a dû douiller. Je vois personne. Allons-y. Joël, tu vas bien? Ça va. Ça va. Tu gères la fenêtre? Ouais. Je me repose un peu. Merde. Allez, bouge. Merde. Je vous vois. Allez. Bon, reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes que t'as descendu, enfoiré. T'as envie de jouer au plus malin? Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël. Allez, viens. Dépêche-toi. J'avoue, il a pas l'air de péter la forme. Personne. Dépêche. Tu t'en sors bien. Continue. Oh non. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher? Oui. Alors marche, merde. Allez. Voilà la sortie. Encore un peu, allez. Hé! Hey. Hey. Joël! Derrière toi! Quoi? Allez! La gamine est armée! Faites gaffe! Oh merde! Oh merde! Petite ordure! Bien, ouais, Jélie. Joël! Allez! Lève-toi! Mets ton bras sur moi! Allez, on y va! Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson! Tu rêves. Reste là. Je vais ouvrir. Prends ton temps. Allez! Et voilà. Allez. Monte sur ce cheval. C'est bon. Tu peux monter ? Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Ah ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez !
Hiver. Il est mignon. Il était mignon. Pauvre lapin. Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. Ok, bon, avant de s'arrêter, ce qu'on va faire, on va aller faire un petit tour dans le sac d'Ellie et on va examiner certains de ces objets. Camp d'arrêt. Walkman. Sony, bien sûr. Il faudrait que je le répare. For Ellie. Robot de Sam. J'étais trop bête. J'aurais dû trouver autre chose à te dire. Note de maman. J'espère te rendre fière de moi. Ellie, je vais te confier un secret. Je ne suis pas fan des enfants et je déteste les bébés. Et pourtant, je te regarde et je suis en extase. Tu n'as même pas un jour et te tenir dans mes bras est la chose la plus extraordinaire que j'ai faite de toute ma vie. Une vie qui va s'achever un peu plus vite que prévu. Marlène s'occupera de toi, il n'y a personne au monde en qui j'ai plus confiance. Le moment venu, elle te dira tout ce que tu dois savoir sur moi. Ne sois pas trop dur avec elle, essaie d'être moins pénible que moi. Je ne vais pas te mentir, le monde n'est pas très beau, ce ne sera pas facile, n'oublie jamais que la vie vaut la peine d'être vécue. Trouve-toi un but et bats-toi pour lui. Je vois une grande force en toi, je sais que tu deviendras la femme que tu mérites d'être, ta maman qui t'aimera toujours, Anna, rends-moi fier de toi, Ellie. Alors ici, on a les 100 blagues volume 2. Ici, de l'autre côté, c'est un bouquin avec des blagues. Ouais. Un autre bouquin sans blagues. Photo de Joël et Sarah. J'aurais dû donner ça quand j'en avais l'occasion. Et pendentif des lucioles de Riley. Tu me manques. Riley Abel. Ok, bon. La suite au prochain épisode, donc merci de m'avoir suivi. Moi je vous dis à bientôt et ciao tout le monde.